Coucou, coucou! Bonjour à tous et à tous. Je viens vous parler, je m'appelle Christale Lousse, de l'hypersensibilité, de la sensibilité avec les ressentis. Qu'est-ce qui se passe dans notre vie par rapport à ce taux vibratoire qui augmente? Quand notre taux vibratoire à nous augmente, qu'est-ce qui se passe? Alors, au niveau environnemental, pourrions-nous dire, au niveau des amis qui nous entourent, la première chose qui se produit, c'est que auparavant, on était bien avec nos amis, les conversations nous intéressaient, et puis les divertissements qui étaient proposés étaient vraiment en accord avec qu'est-ce qu'on vivait. Et puis, notre taux vibratoire change, votre taux vibratoire change. Peut-être que vous vous reconnaissez en cela. Et puis, les amis, les conversations ne vous intéressent plus. C'est comme si elles étaient insipides. Et puis, d'être entouré de ces gens-là, ça ne vous nourrit plus. Du coup, pendant un temps, il y a un vide, on va dire, amical. Pour passer d'un palier à un autre, et bien souvent sur un palier vous avez certains amis, pendant que vous êtes en train de monter, comme quand on monte la marche, on est en déséquilibre, le pied est en déséquilibre, c'est pareil de manière énergétique, et bien ça s'appelle un grand moment de vide amical, peut-être même relationnel tout court, vous n'avez plus envie de relationner avec les mêmes personnes d'avant. C'est important d'accepter d'intégrer ce vide avant de monter, arriver sur l'autre palier vibratoire. Et puis là, votre vibration se stabilise et des nouveaux amis arrivent. Des amis qui sont, ou alors des compagnons, qui sont plus en accord avec ce que vous vibrez. Des personnes qui ont des conversations qui vous intéressent, des partages qui vous nourrissent. Et c'est vraiment important pour vous d'écouter cela à l'intérieur de vous et de suivre ce mouvement vibratoire sans vous maltraiter, sans vous dire « c'est moi qui ai un problème ». Non, vous êtes juste en train de monter vibratoire, de faire une petite montée. Et puis du coup, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce qui est important, c'est de pouvoir écouter cela. Sur le plan alimentaire, qu'est-ce qui se produit? Sur le plan de qu'est-ce que vous rentrez à l'intérieur de votre corps? Eh bien, vous montez de taux vibratoire, du coup, vos cellules vibrent à un autre taux vibratoire. Pourquoi vous montez de taux vibratoire? Parce que votre âme aspire à descendre un peu plus dans votre matière, à vivre et vibrer pleinement qui vous êtes. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que la Terre est en train de elle-même faire sa montée vibratoire. Et comme nous sommes dessus, comme des puces sur un chien, eh bien tout simplement nous sommes en train de suivre la vague ou de suivre le chien qu'est la Terre dans sa poussée vibratoire. Alors, sur le plan de qu'est-ce qui rentre à l'intérieur de nous, eh bien peut-être que vous pouvez observer que certains aliments ne passent plus. Certains aliments qui auparavant vous pouviez aller à McDo sans problème et puis ça passait, vous étiez content, rempli, et puis vous y allez, puis finalement après vous êtes ballonné, vous êtes mal dans votre ventre, vous vous sentez épuisé, une fatigue très lourde, et bien peut-être que vous pouvez observer, je fais ou je mange cela, qu'est-ce qui se produit dans mon corps et est-ce que c'est juste et bon de continuer dans ce paradigme, continuer sur cette voie ou alors changer de voie et prendre soin de vous pour changer votre alimentation. Il y a aussi quelque chose d'autre que je tenais à vous partager, c'est que toutes les drogues, quand j'entends les drogues, il y a le café, il y a le sucre, il y a fumer un petit joint, il y a prendre de la cocaïne peut-être, et puis toutes les drogues comme l'alcool, eh bien vous pouvez observer que vous faites une prise et puis d'un coup votre corps il dit « Oh, c'est pas bon pour moi » et vous faites des réactions. Et alors écoutez votre corps dans ses réactions et je vous invite à ne plus continuer sur cette voie pour changer vos habitudes afin d'écouter pleinement qu'est-ce qui est juste et bon pour vous dans votre corps. Un autre paramètre, le paramètre de votre environnement physique, là où vous vivez. Alors, sachez qu'il y a des lieux qui sont plus hautement vibratoires que d'autres. Du coup, si vous êtes dans un lieu
bassement vibratoire, cela va baisser votre vibration. Un lieu où il y a beaucoup de pesticides, produits chimiques qui vous environnent. Un lieu où la nature ne vibre pas, il n'y a pas d'arbres, où vraiment, peut-être que vous êtes en ville et puis vous aspirez à plus de nature. Peut-être que le lieu vibratoire vibre tellement bassement vibratoire, il y a vraiment beaucoup de choses en géobiologie qui fait que ça baisse le niveau vibratoire de la Terre. Par un amas de mémoire qui est concentré à cet espace. Du coup, vous montez de taux vibratoire, vous êtes plus sensible aux énergies qui vous traversent par en haut ou par en bas. Vous sentez parfois des petites décharges électriques. Et ce qui est électrique, ça descend. Et puis peut-être de la chaleur, c'est parce que ça monte à l'intérieur de vous, quelque chose de plus magnétique. Eh bien, dites-vous bien que vous avez des perceptions extrasensorielles au fur et à mesure, petit à petit, goutte par goutte, qui s'ouvrent et qui fait que vous êtes plus sensible ou alors à la lune ou alors ce qui se passe au niveau du cosmos, des conjonctions planétaires, ou alors ce qui se passe au niveau de la Terre. Donc, dites-vous bien que c'est normal. Je vous invite vraiment à accepter ce processus parce que je comprends pleinement, pour l'avoir vécu, qu'il est complètement inconfortable. Donc, c'est vraiment important de peut-être déménager. Si vous sentez que le lieu ne vous convient plus du tout, vous vous sentez toujours attaqué, la nuit vous dormez mal, vous êtes tout le temps sur le qui-vive, eh bien, c'est peut-être parce que le lieu ne vous convient plus. Alors, il y a des lieux qui sont possible de nettoyer énergétiquement, et puis d'autres lieux qui ne le sont pas, parce que lorsqu'il y a des vortex inversés, et c'est pas un seul vortex qui s'inverse, c'est une panoplie de vortex, ça va par 3, ça va par 4, ou ça va par 5, du coup c'est relié dans cet espace au niveau de la Terre, et bien ces vortex, s'ils vibrent bassement vibratoire pour des mémoires qui... Ça fait des éons et des éons que c'est bassement vibratoire. Et bien du coup, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, même en géobiologie, ça va toujours revenir et revenir et revenir. Donc je vous invite peut-être à conscientiser cela. Peut-être qu'un géobiologue peut vous aider. Peut-être qu'un géobiologue, ce ne sera pas suffisant et qu'un déménagement sera vraiment important pour vous pour pouvoir vous respecter dans ce que vous êtes en train de vivre comme processus de montée vibratoire. Maintenant, je vais parler de ces nouveaux enfants qui naissent, ces enfants hypersensibles. Alors, ils ne naissent pas dans une famille, tous, et qui a une conscience. Peut-être qu'ils naissent et puis la maman, quand elle est enceinte, ressent que le cododo, peut-être que le portage, peut-être l'hygiène naturelle ou manger bio, pendant déjà la grossesse, changer son alimentation, elle le ressent peut-être. Mais ces enfants naissent parfois dans des personnes avec des familles qui ne sont pas sur le même processus de montée vibratoire ou tout simplement que leur âme n'ont pas décidé d'accompagner ce processus vibratoire. C'est vraiment important pour ces enfants d'être entendus, d'être compris dans leur essence, dans ce qu'ils vivent. Alors, je conçois bien que lorsque nous sommes bébés, eh bien, pour communiquer, si les parents n'ont pas la connexion télépathique, c'est un petit peu difficile de pouvoir être entouré dans un environnement qui les protège. Donc, je vous invite à conscientiser par rapport à ces bébés hypersensibles qui naissent avec un très haut taux vibratoire, de pouvoir les accompagner au mieux dans leur alimentation, dans votre relation au bébé, pour vibratoirement émettre des pensées positives, pour vibratoirement le nourrir sur tous les plans. Physiquement, avec l'alimentation, émotionnellement, avec les pensées et l'amour que vous pouvez lui apporter. Et surtout, de l'écouter. Si vous voyez qu'il y a des aliments qui ne passent pas, alors faites ce qu'il faut. C'est vraiment important. Parce que si vous respectez l'autre, vous respectez vous. Alors je vous invite à vous respecter et à écouter votre corps,
vos énergies, qu'est-ce qui se passe. Et si vous vous sentez traversé d'énergie régulièrement par le haut, énergie froide et électrique, ou par le bas, énergie chaude, alors vous pourriez vous dire vous êtes malade parce que vous avez de la fièvre, mais ce n'est pas que ça. Et à vous écouter dans votre ressenti corporel, émotionnel, mental et spirituel, qu'est-ce que j'ai besoin maintenant? Qu'est-ce qui est juste pour moi de manger? Qu'est-ce qui n'est plus en accord avec ma sensibilité qui est en train de s'ouvrir, de grandir? Je vais vous parler dans un deuxième temps de quand est-ce que votre vibration elle descend. Qu'est-ce que vous ressentez? Sachez que quand il y a beaucoup d'entités qui sont sur vous, vous êtes fatigué, vous êtes en colère plus facilement, vous vous sentez apathique, hein, peut-être dépressif. Dites-vous bien que c'est important, lorsque vous commencez à monter votre taux vibratoire et que votre ressenti s'exacerbe, de prendre soin de vous, d'apprendre des techniques qui puissent vous permettre de vous nettoyer. Comme vous vous lavez tous les jours, lavez les mains, lavez le corps avec une douche, eh bien peut-être de vous nettoyer aussi énergétiquement, parce que je peux vous informer, et par pure expérience, que lorsque vous avez toutes ces énergies qui sont bassement vibratoires autour de vous, sur un lieu, donc écoutez-vous, si vous sentez que le lieu là va vous baisser la vibration, peut-être avec des risques de maladie du coup, et peut-être grave, prenez soin de vous, prenez les bonnes décisions. C'est vraiment important de trouver des techniques pour pouvoir vous nettoyer, pour pouvoir vous réaligner, pour pouvoir vraiment rentrer dans votre espace intérieur et de vous respecter. Merci de m'avoir écouté et puis à la prochaine !